romantique. Anto. Anto, c'est le plus romantique. Ouais, je t'aime comme jamais j'ai aimé personne. Je veux être avec toi et avec personne d'autre. Anto, c'est le plus romantique. On est vraiment cherché l'amour, était vraiment là pour ça. Anto aussi, il a pleuré le premier jour, il était vraiment très, très sensible. Et vraiment pour moi, le plus sensible, c'est Anto. Sincère, la personne plus sincère. Je crois que c'est moi. Je suis très clair. Ouais, c'est moi le plus sincère. Que les Françaises, elles soient à la hauteur de mon amour. J'ai abandonné beaucoup de choses pour être ici. Moi, je suis plus sincère parce que je dis ce que je pense. Je suis une personne très claire. Toute ma vie, j'étais comme ça. Et j'aime pas faire perdre du temps à les personnes avec mes conneries ou avec les conneries d'eux. J'aime pas perdre mon temps non plus. Alors, je suis très clair et très, très facile à gérer. Personne plus sexy, c'est... Ça, c'est une bonne question. C'est Fidji. Oh, yeah. Fidji, parce qu'il aime bien sa petite taille, les habits collés, les petits soutifs de couleur. Ouais, c'est Fidji. La plus stylée, c'est Elsa. Elle s'habille très bien, j'ai le ton de couleur et c'est bien mélangé. Ouais. Pour les garçons, c'est moi. Le plus stylé, c'est moi. Le plus beau, c'est moi aussi. Ouf, le plus possible, c'est ma blonde. C'est, c'est Dylan. Dylan, c'est plus possible. Il saute et il pense pas, il parle. Ici, c'est sur mesure, non? Et vous me ramenez l'opposé de moi. Le ton commence vraiment à monter avec Magali. Du coup, voilà, c'est vraiment un discours de sourd. Moi, je pète un peu un câble, je suis énervé, je suis pas bien. La personne la plus refaite, pouf, moi je ne les connaissais pas d'avant. Alors pour moi c'est un peu compliqué, mais je crois que c'est Fidji parce qu'elle a les seins, d'autres trucs qu'elle m'avait dit. Je crois que c'est elle la plus faite, oui, je crois que oui. Je trouve qu'elle est belle, elle a son style, oui, ça lui va bien. La personne plus arrose, c'est Anto. Il aime bien frimer, il aime bien parler. Je suis Anto, salut. Je le connais, c'est un taux sûr. Raphaël, le rôdeur fou. Il passait de chambre en chambre, c'était un enfer. Fallait le tenir, le garçon. C'était dur. Oh, des putains, il est où? Attends, quand je le vois, je vais lui dire aussi. C'est Dylan. Il est dégueulasse. Il s'est dit les caleçons par là. C'est Dylan. Ah, Raph, c'était bordélique. Ah ouais, la chambre, il nous laissait dans une catastrophe. Des affaires partout, des trucs qui traînaient. C'était une catastrophe. Avec Dylan, nous, on était au carré, on aurait dit que c'était l'armée. Et Raph, c'était dur. Jure-le. Moi, c'est le plus propre. Demande aux filles. Quel p***. Attends que je vais toucher, je vais le lancer là. Anto. Anto, on l'appelait à la maison le rôdeur fou. C'est vraiment une bombe, mais il attend que ça, quoi. Putain, je vais les tuer là. La personne la plus drôle, moi je trouve les six princes, on est drôle, on est sympa, je trouve qu'on a une super bonne entente. Plus drôle peut-être Anthony. Il aime bien dire ses conneries avec son accent de je sais pas où là. Allez, je passe en premier, comme ça tu peux mater mon huc. Je suis très content de ma blague. Je pense que ça a marché. Je crois que c'est le plus sympa. Bah, la personne peu hypocrite entre princes, je trouve qu'il n'y avait pas d'hypocrisie. On n'est pas hypocrite. Moi, je pense que plus les prétendants. Ils étaient beaucoup là, beaucoup d'eux, ils étaient plus là pour. Ouais, je suis dans la télé, je vais essayer d'être prince, tout ça, que pour l'amour. Alors, moi, je crois que c'est ça, quoi. Un des prétendants ou des prétendantes. Non, parce que je ne me rappelais plus, parce que moi, les prétendants, je ne les regardais même pas. Je m'en foutais d'eux. Mais je sais que c'est eux, parce que nous, on était vraiment là pour l'amour. Et voilà quoi, les prétendants, sûr. Léa, la fille qui me plaisait le moins dans les princesses. Moi, je sais que le problème des princesses, je les trouve les trois très belles, les trois très intelligentes. Je m'entendais super bien avec elles.
Je peux pas te dire une qui est plus moche qu'autre parce que l'une est plus sympa, une plus drôle, une autre plus jolie. Pour moi, c'est un 10 les trois. Je trouve qu'ils n'ont pas trop de défauts, mes princesses. Elles sont plus attentionnées. C'est une bonne question, ça, parce que je crois que entre princes, on était tous bien intentionnés pour nos prétendantes. On était vraiment là pour les connaître. Je peux pas dire un plus que l'autre. La personne plus jalouse, bah moi, je trouve que c'était une de mes prétendantes. Comment elle s'appelle ? Alix. C'était la personne, je trouve, la plus jalouse de tous les princes et princesses de tous les épisodes, depuis 2000 à 2018. Je peux te dire la vérité. Je crois que c'était la plus jalouse. Ça la dérangeait même dire bonjour à une de mes prétendantes. Pour moi, c'était la plus.